Hey tout le monde, c'est Spiritouane et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Let's 4 Dead 2. Donc c'est une vidéo où je vais vous présenter un petit glitch sur The Paroisse. Donc alors en fait c'est un glitch où pour être invincible déjà. Donc en gros déjà faites pas attention à mes add-ons. Donc si vous voulez que je vous explique comment on fait, ben, vous m'envoyez un message. Donc c'est pas ça de ça que je vais parler. Donc en gros c'est comment être invincible sur The Paroisse. Donc c'est très simple, hein, vraiment c'est un glitch vraiment très très simple. Donc déjà cette vidéo sera envoyée à GlitchHackFR parce que voilà c'est un glitch qui est facile à réaliser. Donc pour ceux qui ont Let's 4 Dead 2, ben, vous êtes quasiment sûr de le réaliser. Donc on va vite aller à cet échafaudage. Donc on va pas désactiver l'arme car sinon ça sert à rien. Parce que sinon on va plus avoir de zombies, ça va pas être marrant du tout. Donc s'il n'y a pas de zombies, ben, le guide sert plus à rien, hein. Donc on va vite monter avant qu'il y ait trop de zombies. Voilà. Voilà, donc désactivez pas, pardon. Attention, un petit creeper. Voilà. Donc en gros vous placez ici. Et il faudra aller juste là. Alors voilà, nickel. Donc vous êtes invincible à 99%. Pourquoi? Parce que regardez, en fait les zombies vont escalader mais ils vont pas réussir à passer. C'est très con, hein, regardez, ils sont tellement cons qu'ils, voilà, ils arrivent pas à passer. Sauf que des fois quand il y a vraiment 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 trop de zombies, des fois ça m'est arrivé vraiment une fois, il y avait un zombie qui a réussi à escalader juste là, mais vraiment c'était vraiment très très rare. Regardez que les zombies sont vraiment très cons, ils arrivent pas à escalader à chaque fois. Donc voilà, vous êtes vraiment invincible et je trouve ce glitch vraiment très drôle parce qu'il y a beaucoup de zombies qui arrivent. Regardez ce gros tas de zombies qui vont, voilà, ils vont tous mourir. Donc vraiment ce glitch est très drôle et je vous le conseille. Donc je vous dis ciao tout le monde les amis et bon jeu.